Alors, l'œuvre Shifting Mirrors est une commande, avant tout, de l'ensemble ALMAVIVA, en 2018, dans le cadre du Festival Claude Delphère. Et ce titre fait référence à une citation de Borges à propos du poète anglais John Milton. Et cela évoque plusieurs fascinations pour Borges, la fascination qu'il hantait, il avait peur des miroirs, et la fascination ou l'amour de la littérature anglaise. On parle de l'origine de l'œuvre, du titre, et on est tout de suite plongé dans cet univers des reflets, des miroirs, du labyrinthe, du double, enfin tous les thèmes ou toutes les idées qui hantaient Borges l'écrivain, et qui nourrissent l'œuvre ici de Fabián Panisello. La matière sonore de l'œuvre est une matière faite de lumière, de reflets et de décalage temporel. Fabián Panisello joue très subtilement du temps et de l'espace. On entend très bien, comme on vient d'entendre, ces jeux de reflets au départ très clairement entre les pianos, la flûte et les violons, avec une certaine sorte de transparence au début. Et petit à petit, il y a une sorte de variation, de métamorphose presque de la matière qui se joue, on entend la transparence, on entend de l'opacité qui est faite parfois des parallélismes entre des nouveaux alliages d'instruments qui donnent une sorte d'opacité. Vers la fin, il y a une sorte de précipitation, de vertige vers une désintégration de la matière. Toute la matière, tous les motifs qu'on entend au départ, on les entend concentrés dans le seul piano, tandis que les autres instruments reflètent la lumière dans les interstices de ces brisures. Alors, je ne sais pas si c'est dans la fusion qu'on entend ces choses-là, si ce n'est qu'à chaque fois, si, peut-être dans ce que je viens de dire, dans les métamorphoses, il y a des alliages, des fusions de matières. Je vois les instruments pas comme un instrument comme ça à part, mais comme un élément de matière. Chaque instrument permet de donner un souffle, un grincement, quelque chose de... Et il travaille la lumière comme ça, c'est-à-dire que tantôt c'est un halo qui reflète une autre partie, tantôt ça devient une véritable matière avec rugosité, faire un jeu de mots ou jeu de miroir, mais je travaille à l'envers. C'est-à-dire d'habitude, je travaille les pièces en comprenant le cadre, les grands cadres, et petit à petit, je viens au détail. Ici, je me suis laissé mener par les détails, peut-être par une sorte de fascination des reflets, des méthodes que Fabián Panisello a utilisées très, très intelligemment, ce qui fait que j'ai commencé par les détails, et ce n'est qu'après, quand j'ai compris comment ça fonctionnait dans ces détails, que j'ai compris la forme plus grande. Alors je me dis, enfin, il me plaît de penser que Fabián Panisello a peut-être l'art, en tout cas avec moi, de me faire passer de l'autre côté du miroir à la fin de l'œuvre.